foi pensar por que jogou vá jogou na do bar que já para oi oi le résultat pour chaque couragement on demande de mettre le génotype de ce qui est courageux et qui permet d'avoir le résultat. Dans le 1, on a un résultat de 50% de gris, 50% de blanc. Maintenant, quel génotype croisé permet d'avoir 50%, 50%? C'est grand G, petit G, croisé avec petit G, petit G. En considérant ce qu'on a dit avant, que gris est dominant sur blanc. D'accord? Et on respecte certaines conventions, on va les noter comme ça. D'accord. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre grand G et petit B, en disant que petit B, c'est l'allèle récessif blanc. D'accord. Donc vous aurez grand G et petit B, petit B et petit B. Alors, le parent grand G, il produit combien de types de gamètes? Grand G et petit G, combien? Deux. Il produit deux types de gamètes, lesquels? Grand G. Un gamète grand G, un gamète avec petit G. Et le parent blanc? Un seul type, un gamète avec petit G. Petit B. Petit G ou petit B? Petit B. Petit G. C'est bon? Maintenant, quels sont les génotypes possibles des parents pour tous les autres croisements? Alors, croisement 1. On l'a fait déjà. Croisement 2. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Donc, c'est le résultat qui va vous dicter ce que vous allez proposer. Ensuite, vous le vérifiez que c'est vrai. Ensuite, vous le prouvez. D'accord? Pas besoin de faire toute la vérification sur votre feuille de copie. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire, mais vous allez rallonger. Maintenant, vous pouvez le faire sur votre brouillon et après, et prendre compte de ce qui est bon dans votre document. Allez-y. Croisement 2, on aurait quoi? Qu'est-ce qu'on a comme résultat déjà? On a 75-25, 3/4 un quart. Ok? On a un croisement entre quoi et quoi? Gris et gris. Ok? Génotype, on aura quoi? Grand G, petit G. Grand G, petit G. C'est bon? Et donc, si on le fait après dans l'échiquier, on aura 3/4 un quart. Oui. Oui. Quand on a dit quels sont les génotypes des parents, pourquoi une fois son croisement est juste? J'ai pas compris. La première question. Lorsqu'on a mis les génotypes des parents, on avait choisi un croisement 1. Oui. Maintenant, en répondant à cette question, on ne pouvait pas choisir un croisement 2. Non, ici, on demande de le faire pour tous les croisements. Hein? Maintenant, montrer quel allèle est dominant. J'ai dit tantôt qu'a priori, tous les croisements le prouvent. D'accord? Parce que c'est la dominance de G sur le blanc qui fait qu'on a ces proportions-là. Troisième croisement, on a quoi? Blanc fois blanc, qui donne 100% de blanc. On aurait quoi ici? Petit G, petit G. Petit G, avec petit G, petit G. Un croisement entre homozygote récessif. C'est bon? Maintenant, gris fois blanc donne quoi? 100% de gris. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme génotype des parents? Grand G, grand G. Petit G, petit G. Petit G. Est-ce que c'est seulement ça? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Le grand G, petit G ne serait pas blanc. Hein? Oui. Il faut respecter le phénotype aussi, comme vous avez. Mm-hmm. C'est quoi les possibilités ici? C'est la seule possibilité. C'est la seule possibilité. C'est la seule possibilité. Hein? Oui. Grand G avec petit G. Parce que si on met un autre gris qui est grand G, petit G, on aura des blancs. On aura 50%, 50%. C'est bon?
Maintenant, cinquième croisement, gris fois gris donne 100% de gris. Qu'est-ce qu'on a? On a deux possibilités ici. Granger, Granger. Granger, Granger. Croisé à Granger. Granger, Granger. Et... Est-ce que c'est la seule possibilité? Non. Granger, Granger avec Granger, Petit G. Oui. D'accord. Petit G, Petit G. Petit G. C'est la seule? Ce sont les deux seules? Okay. Donc, si vous faites le tableau, vous verrez que dans les deux cas, vous avez 100%. Le voir deuxième. Granger, Granger. C'est trois. Hmm? On va avoir Granger, Petit G, croisé à Granger, Granger. Granger, Petit G. À Granger, Granger. Ouais, c'est la même chose. On l'a dit dans l'autre sens, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on en apprend ici? Donc, si vous regardez l'exercice que vous avez, on vous a demandé quelles sont les informations. Ici, on a essayé de détailler. D'accord? Ce qu'il faut à chaque fois, c'est de suivre la logique du raisonnement. Donc, pour la deuxième question, il faut faire les échiquiers avec les génotypes qui sont proposés. Hmm? On a dit que c'est sur 5 points, hein, si c'est ça que vous demandez. Ici. Alors. Exercice 2. Un généticien fait un croisement entre deux lignées pures de plantes, c'est ça? Vous avez ça? Vous l'avez? Ok. Entre deux lignées pures de plantes, une a graines de couleur noire, l'autre a graines de couleur blanche. La F1 a donné 480 graines de couleur grise. Il croise entre eux les plantes issues de la F1 pour avoir une F2 avec les proportions là. Alors, quelles sont les informations? D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a combien de locus? Avec combien d'allèles? Lesquels? Noir et blanc. Et qu'est-ce qui est dominant? Hmm? Il y a codominance. Je répète, hein? On dit un généticien fait un croisement entre deux lignées pures de plantes. Deux lignées pures de plantes. Une a couleur noire, l'autre a couleur de graines blanche. D'accord. La filiation de première génération a donné 480 graines grises. On a un locus à combien d'allèles? Deux allèles. Lesquels? Noir et blanc. Est-ce qu'on a une situation de dominance? Non. C'est une situation de codominance. Pourquoi? On a un phénotype intermédiaire en filiation de première génération. Ok. Alors qu'on a fait des croisements entre des lignées pures. D'accord? C'est important ici, le fait qu'on vous ait dit, c'est un croisement entre lignées pures. Si vous rappelez l'exercice qu'on avait fait, où on avait croisé, je pense, des rouges, il y avait rouge, jaune et orange. Si vous rappelez, dans un des croisements, on a des graines rouges croisées avec des graines jaunes, qui donnent des graines rouges, des graines jaunes et des graines oranges. Voilà, si vous rappelez. Parce que là-bas, c'était un croisement entre des hétérozygotes. Mais ici, on nous a dit des lignées pures et en première génération, on a une uniformité des F1. D'accord? Ces informations vont nous aider dans nos décisions. Alors, il fait autofécondation entre les graines de F1 pour avoir une F2 avec 119 graines noires, 245 graines grises et 122 graines blanches. Alors, c'est quoi le génotype des F1? Génétique de F1. RB, c'est ça? RB. NB, NB, ok, parce qu'on est en noir, d'accord. NB. Il peut produire combien de types de gamètes? Deux types, lesquels?
N et B. Ok, donc on va faire N, B, N, B. D'accord, ce qui nous donne ici N, 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 B, N, B et B, B. C'est bon? Combien de phénotypes? 3. Combien de génotypes? 3. Avec quel rapport? 1, 2. Une fois N, N, deux fois N, B et une fois B, B. C'est ça? Et là, on peut faire les échiquiers. C'est bon? Alors, celui qui vient, c'est exactement... C'est pas celui qu'on avait fait. C'est pareil, quoi. Je pense que ça, là, maintenant, vous savez comment le faire. Les 6-3, là. C'est bon? C'est comme le premier qu'on a fait. C'est comme celui qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez changé. C'est ça. Vous n'avez pas ça? D'accord, mais ce type d'exercice aussi que vous avez ici, c'est pareil que ce qu'on avait fait. D'accord? L'autre, c'est quoi? Ce que vous avez, c'est quoi? Le suivant? Non, ça, on l'a pas fait. Ça, on l'a pas fait, vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce que vous avez comme exercice suivant? Est-ce que vous avez la forme des radis? Ok. La forme des radis, c'est bon? Vous l'avez fait? Je vous laisse combien? 5 minutes, c'est ça? D'accord, 5 minutes.